Bonjour, bonsoir à tous nos amis, à tous nos frères, à tous nos sœurs, membres de la grande famille du ministère de délivrance. Nous glorifions et exaltons, bon Dieu, chaque jour qui permettent que nous sommes capables toujours d'étudier parole liée. Et nous félicitons le fait que retourner, venir étudier ensemble avec nous parole, bon Dieu. Ou même qui a peine branché, nous félicitons et nous contents parce qu'on s'en va avec nous. Ou même qui sont super branchés, toujours ensemble avec nous. N'a toujours pas découragé à nous toujours apprendre dans l'école. Nous souhaitons, bon Dieu, capable de continuer bénir. Bien-aimés, matin, nous parlons ensemble, Dieu nous libère de la condamnation de la loi. Aujourd'hui, c'est 30 juin et demain, si Dieu veut, c'est l'anniversaire de ma femme. Donc, chérie, déjà, nous souhaitons bonne fête. 1er juillet, nous souhaitons bon Dieu capable de bénir et nous souhaitons amour capable de glorifier notre bon Dieu et nous prêter vocal toute super fanny pour nous dire bonne fête. Que le Seigneur vous bénisse. Et le son a pris pour titre Le missionnaire raté. Le missionnaire raté. Donc, 1er juillet, c'est l'anniversaire de ma femme. Je souhaitais que nous sommes capables d'aider le prier pour que le travail la fait sous Chanel la capable de réaliser dans le nom de bon Dieu. Avant de nous placer un mot dans la présentation leçon, on a invité à la prière. Gloire à toi seul, adorable Père des cieux, puisque à travers parole, vous permettez que nous sommes capables de nourrir l'âme nous et vous permettez que nous sommes capables d'éduquer. De tout ça, on souhaite nous apprendre pour que nous soyons capables de prêts pour la nouvelle terre. Béni, pardonne, exauce, attire, sanctifie. Ainsi, Père, nous t'adressons nos vœux au nom de Jésus. Amen. Dieu nous libère de la condamnation de la loi. Texte de base là, trouvé dans Colossiens 2, le verset 14 qui dit « Il a effacé l'acte rédigé contre nous en vertu des prescriptions légales. » Acte qui nous était contraire, il l'a enlevé en le clouant à la croix. Dans l'Ancien Testament, il y a deux lois. Il y a une loi, il y a une loi morale qui dit, mais qui sont faits, qui font péché, et mais qui sont faits, qui fait que bon Dieu est content. Donc, il y a deux aspects, il y a un positif, il y a un négatif, soit du fait, soit pas du fait. Et gagne une loi ou les lois cérémonielles. Loi cérémonielle là c'est loi qui dit le péché a qui sont doué fait pour capable jeune pardon péché a. Donc gagne une qui dit ou font bagaille qui pas bon, l'autre là dit mais qui sont doué fait pour bon tu capable accepter toi. Donc ou pas bon pour capable restaurer ou. Yo dit non tout le monde est condamné. Tout le monde est condamné. Mais avec la mort de Jésus-Christ, Jésus clouré acte ça qui était condamné nous lui-même, lui mourir dans place nous et lui ba nous justice li. C'est-à-dire qu'on a tout monde sous grâce seulement même Jésus a dit si quelqu'un a péché. Si yon moun péché, c'est-à-dire loi morale là toujours là. Li permet ou konn comment pour fonctionner. Et ta santé spirituelle. Donc, à partir de lui-même, n'a pas capable bien servir bon Dieu. Donc, loi morale là permet ou apprendre qui décision pour prendre et comment on doit fonctionner par rapport avec ça, bon Dieu voulait en tant que Dieu. Donc, de là, nous pas condamné pour n'aller faire cérémonie, mais l'homme fin péché, m'a apprendre comprendre que moi dois adjoindre Jésus. Nul ne vient au Père que par moi. Moi dois adjoindre Jésus pour Jésus capable pardonner péché et le ça m'a va sauver m'a va prêt pour mal dans le ciel. Donc c'est ça méditation t'est porté pour nous matin pour dire nous pas besoin de faire cérémonie encore mais avec Jésus-Christ si nous accepter tout péché nous a pardonné. Nous t'es content pour nous te présenter méditation nous va rentrer rapidement dans leçon. N'a répété après moi leçon 1. Le commencement de l'évangile. Verset à mémoriser. Mais après que Jean eut été livré, Jésus vint en Galilée, prêchant l'évangile du royaume de Dieu et disant, le temps est accompli, le royaume de Dieu s'est approché. Repentez-vous et croyez à l'évangile. Marc 1er,
le verset 14. Jodi a yo pral fon ti histoire de comportement Mac et comment le débuter dans système l'évangile là, mais qui précaution à prendre et yo a fait une mise en garde pour nous tous qui en tant que chrétien qui responsable pour nous faire travailler ça jodi a là. Dans livre acte 12, le verset 12, yo mande nous pour nous faire lecture pour nous capable recentrer histoire Marc. Acte 12 verset 12 verset 12 nous dit: après avoir réfléchi, il se dirigea vers la maison de Marie, mère de Jean surnommé Marc, où beaucoup de personnes étaient réunies et priaient. Donc il s'agit de Pierre. Les Pierre était sorti dans prison hein? Et après un jour t'es fini de délivrer, l'autre était en route et bien t'es réfléchi faut aller la caille Marc. Marie c'est maman Marc. Il y aurait les gens, Jean surnommé Marc. Et bien il dit nos périodes ça était capable dans les années 40 leur histoire ça t'est réalisé. Si vous êtes réunis la caille Marc dans l'idée comme si vous t'avez adoré, vous t'avez fait une réunion, c'est dire que famille ça t'a gagné ba en amène pour que tout le monde soit capable de manger ensemble, même là vous t'avez collaboré. Parce que à l'époque, vous t'avez qu'on réuni dans foyer, yo, mais foyer ça, vous t'avez qu'on, vous comprenez, vous t'avez qu'on manger ensemble. Vous t'avez qu'on manger ensemble, mais pour vous manger ensemble, non, au moins, faut que vous n'avez pas de ba en amène, même là tout le monde a mis ensemble. C'est-à-dire, non, ouais, Pierre, les, aller dans lieu ça, il était allé la caille Marc, dans caille Marie. Donc monsieur était très jeune à l'époque. Et dans acte 13, le verset 1 à 5, côté il était réuni, il a pris Saint-Esprit de Dieu mis à part Barnabas et Paul, et dans verset 5 là, il dit nous très clair, arrivé à Salamine, ils annoncèrent la parole de Dieu dans les synagogues des Juifs. Et il avait Jean pour aide. Jean surnommé Marc. Donc Marc était avec monsieur yo, il était accompagné yo. Eh bien, sans que nous pas gain trop information de qui ça t'est arrivé, est-ce que tu as un problème, est-ce que tu as une affaire, qui ça t'est gagné comme problème, est-ce que monsieur était malade, il seulement fait nous sentir dans les années 46 comme ça. Eh bien Marc t'est accompagné monsieur yo, mais après ça il t'a pas retourné à Jérusalem, il t'a quitté monsieur dans mission. Donc yo pas capable de nous tout ça qui est arrivé parce que la Bible va expliquer qui problème qui t'est passé ou peut-être que sa cause monsieur était retourné, mais monsieur pas traité avec monsieur. C'est ça qui fait yo titré leçon 1, le missionnaire raté. Yo pas dit quitter l'église, non, yo pas dit abandonner foi chrétienne ni tout, yo pas dit suspendre yon missionnaire. Mais à partir du premier voyage monsieur yo, il était retourné. En plus yo pas dit non plus est-ce qu'il était continué faire l'autre voyage, c'est avec monsieur il pas continué voyager. Mais nous gain pour nous voir ça dans partie lundi à côté la petite une seconde chance. Nous gain pour nous voir ça, mais pour partie mardi a, yo fait nous comprendre que monsieur raté une série de travail côté le Saint-Esprit t'est voyé monsieur yo al travail. Donc nous ouais préoccupation monsieur yo, il était ciblé par ce que le Saint-Esprit a demandé. Donc mettez yo à part plus voyez yo al travail souterrain. C'est-à-dire depuis dans période là, le Saint-Esprit t'a choisi moun. Donc dans le son matin, hein, si t'a voulu tirer quelques notes pour nous mettre dans cahier nous, n'a pour premièrement dans l'activité missionnaire, il y a ça ce qu'on appelle le dévouement. Donc faut qu'on ait dévotion la caillou, faut qu'on activer et ou après responsabilité ou pas dépendre d'un être humain même ensemble avec vous, mais c'est Saint-Esprit qui bail charge ça. Pas oublier le travail avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit accompagne ou pour capable faire des miracles. Donc ou doit tendre voix Saint-Esprit. Donc je dis à ou même qu'à vivre dans le monde là, ou gagne une responsabilité envers ceux qui vous entourent, envers vos amis, vos frères, vos sœurs, ton père, ta mère,
ta fiancée, ton fiancé, pas connaît, quel que soit, ou qui ont responsabilité envers chaque grain de monde autour de vous pour faire un travail missionnaire. Donc, nous pas souhaité que nous capables quitter une occasion quelconque permette nous décourager dans le travail ça. Au contraire, nous devons faire tout ça dépend de nous pour nous capables de faire travail là selon volonté bon Dieu. Il pas expliqué nos situations marques qui ça qui te cause les pas capable continuer. Nous elle te retourner. Maintenant nous-mêmes nous pas de quitter aucune chose contrainte l'esprit nous. Nous pas de quitter rien par nos problèmes. Tout simplement nous devons prendre responsabilité nous pour nous connaître nous en mission, nous qu'on travaille, nous pral faire et nous pas de quitter nous pas fait travail ça, pas oublier cet esprit ba nous travail ça pour nous faire. Donc bien-aimés chers frères et sœurs, leçon pas longue, il était seulement voulu attirer attention nous sous Marc en réalité qui pas continuer avec monsieur yo, mais yo dit nous qui pas tout régner la foi seulement c'est continuer pas de continuer. Donc en nous-mêmes nous continuer faire travail ça pour que bon Dieu capable continuer bénir nous. Nous arrivons à faire leçon, on a bon rendez-vous avec partie lundi qui a bien pour titre une seconde chance. N'a invité à la prière. Gloire à toi seul Dieu tout-puissant puisque ta main est sur nous pour nous protéger, pour nous combler de tous nos soucis. Et merci pour la leçon de ce matin. Ou attire attention nous faire nous comprendre que nous devons actif et nous devons que objectif les nous déplacer pour nous faire travail missionnaire ça, pas quitter nous tomber et ben nous force avec courage, nous prions concernant nom Jésus. Amen. Sorti 11h. Rive minuit avec ministère de délivrance vin passer un moment de prière, un moment côté ou recharger batterie spirituelle et un moment tout côté ou pay bon Dieu souci ou yo. Et comme ça n'a toujours content dans le nom bon Dieu. Et puis délivrance par délivrance par nous toutes yo assuré dans le nom Jésus.